que c'est ce genre de journée-là qui te dit pourquoi tu continues à jouer. Mais bon, on va passer à travers. Après ça, on retrouve le ballon. C'est mon jeu préféré, c'est bon. Allez, commencez avec ça. Pas de run. Hear that? Run! The best day is the day off. I know it'll be tough in certain moments, but push what you could do. Give what you can and fix your mindset. Le test VMAL, c'est un test d'endurance. L'objectif, en fait, c'est d'évaluer l'habilité du joueur à courir à une vitesse assez haute le plus longtemps possible. Donc, en fait, le résultat, ça va nous donner une vitesse maximale aérobie, VMA, vitesse maximale aérobie. Et en fait, c'est la vitesse maximale dans un seuil, ça s'appelle le seuil aérobie, où là, après, on passe dans un autre seuil qui est le seuil plus de la vitesse et des contraintes musculaires. Donc à partir de ce seuil-là, la vitesse maximale aérobie qu'on a au résultat final, et ben là on va mettre nos 6 semaines de préparation en route. Donc chacun va courir par rapport à son niveau, mais tout le monde va courir au même pourcentage à chaque jour en fait. C'est le mais faites bien. C'est ça qu'on veut, c'est que tout le monde court au même pourcentage par rapport à son résultat. Et à la fin, la progression va être collective et va être identique pour tout le monde.